Bonjour. Alors, on se retrouve pour le tuto de la cinquième carte de ce calendrier de l'Avent. Et donc, mon tuto est terminé. Et une fois que j'avais terminé mon tuto, il y avait une petite chose qui ne me plaisait pas sur la carte. Je trouvais qu'elle était relativement plate, il n'y avait pas de relief, ça me plaisait pas. Donc, je vais vous montrer donc la carte que je vous ai fait. En tuto, donc c'est celle-ci, et en fait je vous avais mis juste les 6 carrés et ce rond au milieu. Et vous voyez, je trouvais que ça faisait plat, pas de relief, ça me plaisait pas trop. Donc j'ai pris ce dice de chez Airfelt toujours, et je l'ai découpé et je l'ai rajouté dessus, et à mon goût c'est mieux, je trouve que c'est moins plat. Il y a quelque chose qui fait que ça ressort un petit peu plus. Voilà, donc si vous refaites cette carte, quand vous allez en dernier coller en fait l'image du milieu là, eh bien moi j'ai rajouté ce dice, parce que ce motif là, parce que je trouvais que c'était un petit peu plus joli. Voilà, donc je vous laisse avec mon tuto de la carte numéro 5. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire notre carte numéro 5. Et je vous avais dit l'autre fois que je n'ai plus de papier de chez Stampin' Up, là, les papiers de Noël. Mais en fait, j'ai plein de petites chutes. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais les utiliser pour faire une carte. Donc c'est une carte qui est déjà vue et revue, hein, mais on peut utiliser les petits bouts de papier qui nous restent. Alors, j'ai pris comme d'habitude mon cardstock de base de carte Bureau Vallée. J'ai pris du rose. Donc je plie en deux. Ensuite, j'ai fait des petits morceaux donc qui font 6,2 par 6 et demi, parce qu'en fait quand on calcule la hauteur là, ça tombe avec des virgules. Voilà, donc j'en ai fait 6 comme ça, hop. On va les mettre tout simplement comme ça. Et alors les papiers décor, ben, j'ai enlevé 5 mm, donc 5,5 sur 6. Voilà. Et alors on va les coller comme ça. Après, si vous voulez faire des carrés 6 par 6 ou 6,5 par 6,5, vous pouvez aussi. Hein. Puis vous adaptez votre base. Voilà. Alors, les petits bouts de papier qu'il me restait, c'était ceux-là. Donc, les petits flocons de neige rose et argenté, les branches de houx, les sapins. Voilà. Donc, je vais mettre mes petits papiers comme ça. Dans le bon sens, tant qu'à faire. Voilà. Et le rose, je vais le mettre ici au milieu. De l'autre côté, j'ai fait pareil, donc j'ai pris les petits sapins. Donc cette fois-ci, je vais les mettre en bas. Les petits feuilles de houx, je vais les mettre en haut. Et au milieu, ici, j'ai un petit bout comme ça, avec des boules de Noël. Donc je vais mettre là. Voilà, je vais faire comme ça. Donc je colle tout ça. Voilà, j'ai collé tous mes morceaux argentés. Donc là maintenant je vais coller mes petits papiers décor. Donc là il ne me restait plus de petits points de mousse. Donc j'ai pris ce qui était tout autour de la plaque. Voilà. Alors le premier, je vais le mettre ici.
Voilà, comme ça ressortira un petit peu. Ce sera, je pense, plus joli. Le deuxième, comme ça, je vais pareil le mettre ici. Ouais, ça ressort, c'est vraiment ces petites paillettes là, c'est sympa comme tout. Donc là, je vais continuer à mettre petit papier décor. Donc celui-ci, je le mets ici. L'autre, je vais mettre là, je vais mettre en bas. Et alors au milieu, après, je vais mettre une étiquette avec des papiers de chez Stamperia. Oula, c'est pas droit. Une étiquette de chez Stamperia, j'avais acheté ça il y a 2-3 ans. Ben pareil, c'était des papiers qui étaient dans les tons de rose. Et en fait, comme j'avais pas d'autres étiquettes, j'ai que des Père Noël rouge ou doré ou vert, ou alors un peu vintage. Donc j'ai trouvé ces petits papiers de chez Stamperia, pardon. Donc comme ça, on peut tout utiliser. On arrive toujours à faire quelque chose. On a toujours plein de choses dans les fonds de nos tiroirs. Comme ça. Voilà. Ça donne ceci. Donc en 3D avec ce joli papier dans les tons de rose. Vraiment, j'adore. Comme je vous disais l'année dernière, cette année, je trouve que tout ce rose et ce bleu qu'ils ont fait là pour changer un petit peu du rouge et du vert, je trouve ça super, super sympa. Voilà, donc mon papier, vous voyez, c'est celui-ci. Il y avait plein de roses tout autour. Donc là, comme il fallait que je fasse quelque chose de plus petit, je l'ai découpé et j'ai pris donc un fond argenté, pareil. Et je vais le mettre ici. Voilà, tout simplement. En fait, ça me sert de sentiments en fait. Voilà. Ah, celui-ci va pas se décoller. Voilà, je suis arrivée à l'enlever. Là, je l'ai mis aussi avec des petits points de mousse, hein, le dessus. Je vais le positionner là. J'essaie de me mettre dans la bonne hauteur. Voilà. Voilà. Vous voyez, juste avec des chutes, on arrive à faire une très jolie carte, toute simple. Et bon, là, c'est vrai que ça pourrait me servir de sentiments, mais je préfère en rajouter un. Je vais rajouter celui-ci. Je trouve que ça habille un petit peu plus la carte parce qu'elle est vraiment toute simple. Donc je vais remettre un petit point de mousse aussi ici. Voilà, je vais le coller là. Voilà. Eh bien, ma petite carte est terminée pour aujourd'hui. J'espère toujours que ça vous plaira. Et puis, je vous souhaite un très bon dimanche et à demain!